IDFM Radio Anguin, c'est toujours euh, la matinale. Et ce matin, nous sommes avec un nouveau restaurateur que vous connaissez bien. Il est là depuis euh, plus d'un an, il me semble, à Anguin-les-Bains. Je ne sais plus la date précise. C'était en 2019. Bonjour, Romain Clot. Bonjour. Non, c'était en 2019, c'est ça On a ouvert le 19 juin 2019. Exactement. Et bien, bah, ça y est. Ça Presque fait un anniversaire de. Bravo. De passé. Merci. En tout cas, euh, de nous régaler. Euh, restauration gastronomique française. Alors on se situe pas en gastro, en semi-gastro. On n'a pas encore la, a pas vraiment la prétention de, de, de se qualifier en gastro. On est en traditionnel français, semi-gastro. L'établissement s'appelle le Cardinal. Placé 6 ouais. places du Cardinal. Merci. Avec une carte qui se renouvelle régulièrement. Euh, la dernière, moi, je l'ai vue, je l'ai même goûtée. Vrai. Je m'en souviens encore, euh, notamment des pâtes des Conchiglioni à la crème de truffe. Exactement. Donc, on, on essaie de renouveler un, plus fréquemment la carte. C'est vrai qu'au début, c'était pas forcément évident entre la mise en route du restaurant. Euh, voilà, aujourd'hui on est un petit peu plus rodé, on, voilà, on a plus l'habitude maintenant de, de l'établissement. Donc on vient effectivement à changer la carte un petit peu plus régulièrement. On va essayer même de la changer tous les deux mois, grand maximum tous les deux mois, faut il faut qu'il y ait un, un renouvellement de carte. Vous allez changer de carte, donc mmh. vous réouvrez le mardi 23 juin à quelle heure 11h midi midi, midi service du midi parce que la carte d'avant c'était notamment le calamar farci donc les d'Ioni, j'en voilà. ai parlé il y a quelques instants la bavette de black angus le paris brest aussi à oui. votre façon tout ça on pourra quand même un peu les retrouver alors qu'on change une carte on ne peut pas changer une carte vraiment dans sa totalité il y a certains produits qui sont phares qu'on est obligé de garder euh, on essaye de changer on va dire les 70% 80% de la carte mais il faut garder les bases, vraiment ce qui marche. Le cocotte au cèpe et foie gras, c'est quelque chose que je pourrais malheureusement jamais enlever parce que c'est quelque chose qui marche très bien, c'est notre meilleure vente. Euh, le risotto noix de Saint-Jacques, pareil, on ne peut pas l'enlever. Euh, voilà, Il y a des plats qu'on gardera toujours, mais qu'on essaie de renouveler un petit peu en fonction des saisons. Donc on va retrouver pas mal de poissons, on approche de l'été, il fait beau, des carpaccio, des tartares, des poissons marinés. Euh, voilà, on va essayer de diversifier un petit peu tout ça. Une recette maintenant, merci ouais. d'être passé ce matin, Romain euh, Clo. Une recette apparemment qui ne demande pas énormément de préparation ni de temps de cuisson. Voilà, euh, comme je disais, c'est l'été, il fait beau, on... on va manger du poisson, c'est bon, le <laughs> poisson pour la santé. Donc une recette de saumon gravlax. Alors quand je dis saumon, ça peut être avec n'importe quel poisson. Euh, gravlax, en fait, c'est tout simple, c'est une sorte de marinade. C'est euh, originaire des pays nordiques, de la Suède notamment. Donc en fait, vous allez euh, vous allez aller voir votre poissonnier, vous allez lui demander un beau filet de poisson, ça peut être du saumon, ça peut être un poisson également à chair blanche, à un lieu par exemple, c'est pas cher le lieu, donc ça peut convenir un petit peu à tous les budgets, et vous faites une marinade qui va être à base de sel, de sucre, d'herbes aromatiques, euh, et vous allez envelopper votre poisson de cette marinade, vous allez filmer, vous allez laisser reposer tout ça le, une douzaine d'heures au réfrigérateur. Le lendemain matin, vous allez rincer votre poisson et vous allez avoir un poisson qui a cuit sous l'effet du sel, sous l'effet du sucre et qui va avoir un petit peu mariné avec les aromates que vous aurez mis. Alors vous mettez vraiment tout ce qui vous passe par la tête du thym, du romarin, du citron, des herbes, euh, des bois de poivre. Ça peut être également de la betterave, de la purée de betterave. Ça va donner une belle couleur à votre un poisson. Un petit peu à chaque fois, pas trop. En fait, il faut vraiment envelopper votre filet de poisson. Vraiment qu'il y ait une petite couche au-dessus et en dessous et vous laissez reposer une douzaine d'heures au réfrigérateur. Et du coup, le lendemain, vous retrouvez un, un poisson qui est légèrement cuit en surface, cru à l'intérieur. Vous le coupez en petites lamelles, vous mettez une petite marinade, et vous mangez ça sur un toast, c'est super sympa. C'est 10 minutes de préparation, il n'y a pas de cuisson, ça peut vous faire un truc très sympa pour cet été. On rappelle quand même les ingrédients. Alors, et euh, le, le poisson, donc euh, peu importe le poisson, j'ai l'impression. Prenez des poissons. Alors, le saumon, c'est quelque chose qui se fait d'une manière plus classique. Vous pouvez le faire avec du lieu. Du lieu, c'est un poisson en chair blanche que vous trouvez assez facilement dans le commerce. Ben, merci beaucoup pour ce bon plan cuisine. Merci encore, Romain Claude, d'être passé ce matin sur EDFM Radio Anguin. Merci. Réouverture à vous. de l'établissement, le Cardinal, 6 places du Cardinal. Merci à Anguin et Bain, mardi 23 juin. Midi, il faut réserver quand même. Bah Écoutez, c'est pré préférable. préférable. Si vous savez que vous voulez venir, passez-nous un petit coup de téléphone à grand plaisir. On vous accueillera. Vous êtes souvent pris en règle générale. Bon, là, c'est la réouverture. On est souvent pris. Donc, c'est une mécanique différente. Voilà. Ça va reprendre progressivement. On ne sait pas comment va être la réouverture. On ne sait pas si ça va reprendre massivement ou d'une manière un petit peu plus allégée. On ne sait pas trop. Mais voilà, dès que vous savez que vous voulez venir, passez-nous un petit coup de téléphone et on vous accueille à grand plaisir. Très bien. Bah, merci encore, Romain. Merci et puis, à vous. Moi, je, je passerai faire un petit tour tout Avec à l'heure pour déguster la très bonne. Une mousse au chocolat voilà